Ces grands électeurs sont principalement qui ? Ce sont des élus, c'est ça. Ce sont les élus, conseillers régionaux. Mais il n'y a pas que des élus. Non, il y a également des délégués suppléants. C'est ça. Proportionnellement aux villes, on a droit à avoir des délégués supplémentaires. Donc nous comptons évidemment aussi sur le vote de ces délégués supplémentaires. Le Sénat, on n'entend pas trop parler, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que dans la presse... Voilà. Alors qu'ils ont des possibilités, vous l'avez souligné. Comment se fait-il que... Un sénateur-maire, par exemple, hein, comme Louis Nègre, on ne parle de lui qu'en tant que maire et pas en tant que sénateur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ne médiatisent pas leur travail, ou peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur leur présence au Sénat. Il y a peut-être ça aussi. Parce que, tout de même, les moyens dont ils disposent au Sénat devraient leur permettre, tous les mois, par exemple, de faire un rapport des projets de loi qu'ils ont été amenés à étudier, éventuellement des amendements qu'ils ont portés. Nous n'entendons jamais parler de tout cela. Or, il est un petit peu dommage que ce soit seulement au moment des élections que les grands électeurs soient informés de ce travail. Le Sénat est une chambre suffisamment importante. Je rappelle quand même que s'il y avait démission du président de la République, c'est le président du Sénat qui vient à la tête du pays. Donc c'est une chambre très importante. Le président du Sénat qui pourrait être donc... qui assurerait l'intérim. Tout à fait. Actuellement, ça serait Raffarin, par exemple. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que ça peut peser, par exemple, sur l'immigration ? Est-ce qu'éventuellement, si vous êtes élu sénateur, vous pouvez peser sur le... Oui, dans la mesure où un projet de loi est concocté par l'Assemblée nationale, oui, qu'il est revu par les sénateurs, là, les sénateurs peuvent s'opposer par voie d'amendement, par information, pourquoi pas même organiser des pétitions. Quand on est au courant d'un projet de loi qui est en train de se préparer à l'Assemblée nationale, qu'on le soumet au Sénat, là, les sénateurs devraient saisir cela et en avertir la population. Donc oui, je pense qu'il y a plusieurs moyens de s'opposer à ce qui est préparé par l'Assemblée nationale. D'autant que l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a droit qu'à 2,49,3 pour faire passer certaines choses, et que je pense qu'ils en gardent un pour des votes sur le budget, un pour sur des votes d'ordre général, et certainement pas sur une loi sur l'immigration, par exemple. Donc je pense effectivement. Ça peut bloquer une loi éventuellement. Et tout dépend les moyens qu'on va mettre en œuvre. Voilà. C'est ça. D'accord. Oui, après, c'est encore une question d'études. Encore faut-il avoir la volonté de le faire. D'études, voilà. et ensuite de moyens. Vous avez vu actuellement, on voit un communautarisme qui monte de plus en plus et qui se traduit par des faits divers, notamment un peu partout, on le sent. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas bloquer tout ça ? On ne peut pas arriver à... Il n'y a pas à... de volonté de bloquer le communautarisme aujourd'hui. Notre gouvernement est dans un laxisme total par rapport à ce sujet. Là, aujourd'hui, il est face à un problème qu'il a du mal à résoudre. C'est ces jeunes qui partent. Oui. Au djihad, ça fait partie du communautarisme. Mais à force d'encourager les communautarismes différents les uns des autres, on est submergé et on a un pays qui disparaît au profit de ce communautarisme, qui est tout à fait anormal. C'est pour ça que, bien évidemment, chaque fois que c'est possible, nous luttons. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on les voit maintenant revenir. On les voit, il y a même hier, il y a eu un homme qui a été poignardé à Lyon, je crois. Automatiquement, il y a une arrestation. Il y a eu Albi, une professeure poignardée. Le lendemain, arrestation de présumés terroristes. Donc, de toute façon, ces gens-là sont fichés. C'est curieux. Non, mais ces gens-là sont fichés. La police les connaît bien. Donc, mais ils ne se sont pas assez surveillés. Voilà, il y en a 1000 à surveiller. Pourquoi, au lieu de parler de différentes mesures, pourquoi ne pas les surveiller ? Mais bien sûr, puisqu'il y a des services qui sont étudiés pour ça. C'est ce que j'ai proposé ce matin lors d'une interview que j'ai eue. Il faut les ficher. Voilà. Il faut les obliger. 1000. Qu'est-ce que c'est 1000 ? Toutes les semaines à aller pointer dans un commissariat, voilà, ou se signaler en tout cas. Et pourquoi ils ne le font pas ? Manque de volonté ? Bien sûr. On est dans un pays où il n'y a plus de volonté politique. Ça fait un Tout à fait. Merci Madame Chénardy. Je vous en prie.